Voici Maria Goeppert-Mayer, une des plus grandes physiciennes que l'histoire ait connue. En fait, il y a juste trois femmes dans l'histoire qui ont obtenu un prix Nobel. Marie Curie fut la première et Maria Goeppert-Mayer la seconde. Elle a vraiment commencé à être très active au niveau de la recherche quand elle a participé au projet Manhattan autour de la Deuxième Guerre mondiale qui a conduit à la fabrication d'une bombe atomique. Elle a aussi longtemps étudié la structure de l'atome. Mais à son époque, c'était vraiment pas une chose géniale que d'être une femme et travailler en physique. Alors, elle a passé plusieurs années enseignée à l'université sans même être payée. Elle a dû attendre jusque dans les années 50 avant d'avoir un poste officiel et être rémunérée pour ses recherches qui ont vraiment été révolutionnaires.